Nous vous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'appelle cela, c'est avec joie que nous écoutons l'appellation de ce nom Trine. Que sous cela, comme un parapluie, nous pouvons nous mettre. Et que nous puissions avoir l'assurance à nouveau d'écouter ta parole. Et dans ce contexte, à nouveau, nous pouvons te louer. À nouveau chanter combien tu es grand et fort. À nouveau ensemble nous pouvons venir te supplier. Intercéder pour nos bien-aimés. Mes chers Pères Célestes, à nouveau recevoir tout de toi. Que nous puissions avoir l'assurance ici dans la maison, nous puissions être rassasiés. Car tu es grand, cher Père Céleste. Et cher Père, nous sommes sûrs de ton aide et ta puissance. Et cher Père Céleste, de ta force et comment tu peux vaincre toutes choses. Et la force de ton amour, cher Père Céleste, nous le ressentons. Et cela nous remplit de reconnaissance. Merci, cher Père Céleste, pour ce que tu fais pour ton œuvre, pour tes enfants. Pour nous tous, nous sentons ton intervention. Pour ta protection et comment tu pourvois à nos besoins. Merci pour la commission que tu nous as donnée, confiée. Et que pour la confiance que tu as fait en nous. De nous appeler de rien pour nous mettre sur ce chemin. De faire de nous un peuple spécial. Et d'avoir de tant plans pour nous pour l'avenir. De nous donner la promesse de la venue de ton fils. Cher Père Céleste, nous ensemble, nous prions pour nos bien-aimés. Ceux qui sont dans la souffrance et dans la peine. Les attristés dans le deuil. Cher Père Céleste, donne secours à nouveau force. Essuie les larmes et à nouveau renouvelle l'espérance. Sois avec ceux qui sont dans le danger. Et ceux qui sont aussi loin de ton autel, permets qu'ils reviennent. Cher Père Céleste, nous pensons à notre apôtre patriarche, que tu sois avec lui. Que nous puissions sentir aussi la couverture de ses prières, mais en unité avec lui, aussi recevoir ta parole. Et travaillant main en main, nous puissions faire ce que tu demandes de nous. Que nos bien-aimés de l'au-delà nous accompagnent pendant ces moments. Et que nous puissions maintenir envers eux les pensées d'amour. Afin que l'atmosphère qui nous entoure nous permette de manger valablement à la table de ton fils ici. Que ton esprit seul peut se manifester. Donne plus et mieux, nous te demandons ça au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, chers invités ou visiteurs qui se joignent à nous pour ce service, soyez les bienvenus. Et nous voulons partager avec vous une parole qui vient de notre apôtre patriarche,
Extraite de Jean, 15e chapitre, le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jusqu'à la prenez place et la chorale peut chanter une cantique. Merci, cher choriste. Matondo bayembi yanzemo. Mais bien aimé en Christ. Balingami nakatia Christo. Nous sommes sincèrement heureux et contents de pouvoir partager ces moments ensemble. Tuzalina esengo ya kokabula ngonga oyo elongo. Nous ne pouvons pas prendre ça comme une tradition maintenant de partager ces moments à la télévision ou à l'ordinateur. Tuzalango lokola momesano te ya kokabula ngonga oyo. Nous n'avons pas l'habitude de le faire. Notre habitude, c'est de venir dans la maison de Dieu. Mais, pour le moment, les circonstances, la situation est autre. Notre apôtre de district, Joseph Ekuya de Kenya, nous a raconté une histoire dernièrement. Il parlait d'une expérience qu'il y avait ceux qui ont quitté l'Europe par bateau pour aller vers l'Amérique. Et ils avaient des problèmes en bateau et ça commence à écouler. Ils ont pu sortir dans le petit bateau, mettre quelques provisions. Mais c'était difficile, il n'y avait pas ni rame ni voile. Ils étaient à la merci des vagues, des vents. Et ils parvenaient à flotter, mais ils ne savaient pas exactement où ils étaient. Petit à petit, les provisions commencent à devenir un peu moindre. Et surtout l'eau, les donnait un problème. Ils ne pouvaient pas boire l'eau salée de la mer, de l'océan Atlantique. Car même si c'est l'eau salée, ça va donner la mort. Ça continuait, ils ont rationné, ils ont donné une plus petite portion. Mais ça ne marchait pas. Quelqu'un a eu l'idée. Prions, peut-être Dieu peut nous aider. Ils ont prié, quelqu'un a vu peu après cela une vision. Vous avez dans vos petits bateaux des seaux. Mettez vos seaux dans l'eau.
Prenez de l'eau et buvez. Ils ont raisonné avec la tête pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si nous buvons cette eau de l'océan salée, ça va nous tuer. S'ils ont essayé de rationner encore. Deuxième vision, mettez votre seau dans l'eau, buvez. Ils ont dit c'est un conseil, mais on ne peut pas le faire. Ça n'allait pas, petit à petit, languissait. Et à la longue, ils ont vu un petit bateau. Ah, il y avait des pêcheurs là-dedans, ils ont crié au secours. Ils se sont approchés, ils ont dit, donne-nous de l'eau, on a soif. Et on leur a répondu depuis le petit bateau, mais plongez vos seaux dans l'eau, là où vous êtes. C'est l'eau douce, vous pouvez le boire. Ils ont goûté, ils ont dit c'est de l'eau douce. Ils ont dit oui, vous êtes à la bouche de l'Amazone, un des plus grands fleuves. Même s'ils étaient dans l'océan, le débit de ce fleuve était tellement grand que ça pompait de l'eau fraîche, de l'eau douce. Ils pouvaient le boire, contrairement aux pensées. Ils étaient entourés de la solution. Mais ils ne pouvaient pas y penser. Avec l'aide de Dieu, ils ont eu de secours. Notre place habituelle de boire, c'est à la maison de Dieu. On n'a pas trop l'habitude, sauf pour les grands services divins de transmission, de regarder la télévision. Mais que Dieu permet par cette solution de trouver de l'eau à boire. Nous voulons plonger maintenant nos seaux dans la parole. Recevoir ce que Dieu veut nous donner. La solution est là. Ce n'est pas habituel, mais la solution est là. Nous voulons faire valoir de ce que nous donne comme secours. Et nous avons cette parole qui est très bien. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Bien-aimé en Christ, notre Seigneur Jésus-Christ était sûr de cet amour. Que le Père l'aimait. Tata alinga kiye. Bon, bien sûr, il a écouté ça. Boni boni ayokaka yango. De la bouche de notre Père Céleste lui-même. Na munoko ya tata na biso ye moko. À deux reprises, on peut le lire peut-être plus. Malami bale to koko tanga yango atako mbalebele. D'abord en Matthieu 3, lors de son baptême. Na matayo na mokapo ya misato na mukolo oyazwaki libatis. Colombe est venu et puis la voix de Dieu. Nde bongo mungongo ya nzambe yokanaki. Voici mon fils. Botala mwana nanga ya bolingo. Bien, tu es mon fils. Oyazama nanga ya bolingo. En qui j'ai mis toute mon affection. Na kati na ye na ye na tie bolingo nanga nyoso. Message de notre Père Céleste en direct. Et plus tard, sur la montagne, lors de la transfiguration. Simalikolo ya ngomba ya mbongwana. Vers Matthieu 17. Cette voix de Dieu est venue aussi. Pour dire, voici mon fils. En qui j'ai placé, j'ai mis toute mon affection. Mais c'était une confirmation tout simplement. Je suis sûr que notre Seigneur Jésus-Christ, il a pu savoir avant que Dieu l'aimait. Nous ne sommes pas sûrs, ce n'est pas écrit, mais je suis sûr. Sa maman ou son papa disait déjà, Dieu t'aime. Nous ne savons pas si Marie a partagé les expériences spéciales qui entouraient sa naissance. Mais elle pouvait attester de l'amour de notre Père Céleste à son enfant. Et puis Jésus connaissait les Écritures saintes. Nous pouvons voir comment il les parlait, il les relatait, il étudiait la Bible. Il s'est mis au temple pour écouter la prédication.
Donc là, il a déjà vécu, connu que le Père l'aime. Chers frères et sœurs aussi, depuis nos petites enfances, notre enfance, nos parents peut-être nous ont dit, oui, Dieu t'aime, Christ t'aime. Nos enseignants à l'école le dimanche ou à la confirmation et dans le choral nous a appris à chanter Dieu nous aime. Et nous pouvons lire la Bible, nous voyons aussi l'amour qui est là de Dieu. Et nous écoutons ça aussi derrière l'autel de grâce lors de la prédication. Et de temps en temps aussi nous avons un message spécial. Et chers frères et sœurs, au cours de ce service divin, que ce soit imprimé, emprunté sur votre cœur et votre âme, Dieu t'aime, notre Seigneur Jésus t'aime. Tu es un enfant du Très-Haut. T'as choisi, t'as fait sortir de là où tu es pour faire de toi son enfant chéri. Et ça fait bien d'entendre, chers frères et sœurs, de temps à autre. Ça nous donne une force et un courage. Comment cet amour se manifeste? Déjà pour Christ, depuis ses bas âges, Dieu a protégé. Hérode, le roi voulait le tuer. Dieu est intervenu pour le conduire en dehors du pays, vers l'Égypte. Par ses parents, pour le protéger. Et ailleurs, nous pouvons lire comment Dieu est intervenu pour le protéger de la foule. Vers Luc 4 ou Jean 10, là où il a pu esquiver. C'était Dieu qui protégeait. La main de Dieu était toujours là. Sur son enfant, c'est pour cela qu'il pouvait dire Dieu, Dieu même. Et Dieu a donné ce dont il avait besoin. Bien sûr, au début, peut-être par le canal de ses parents. Dans la maison paternelle, manger, boire. Et plus loin, maintenant, j'ai venu pour le consoler, pour le donner à manger. Et puis après, nous pouvons lire, même des amis, des autres, tierces personnes sont venues pour intervenir, apporter de l'aide. Marie, Marthe, Lazare, tous les amis. Et c'est pour cela qu'il a dit le Père même. Mes chers frères et sœurs, nous vivons la même chose. La protection de notre Père Céleste, nous le vivons constamment. Depuis nos bas âges, il intervient. Il nous garde, parfois on n'a même pas prié, il est là. Il nous a permis d'échapper combien de fois? Nous ne savons pas. Mais sa main de protection est toujours là. Même pendant ces moments de danger. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons faire n'importe quoi, mais sa main est toujours sur les siens. Et il pourvoit à nos besoins. Il ne fait pas peut-être venir du ciel ce dont on a besoin. Il a utilisé nos parents. Parfois des amis qui nous entourent, qui nous aident. Et parfois un ange, même moi j'ai vécu un ange, on n'attendait même pas, mais l'aide est venue de notre Père Céleste. C'est pas un hasard, c'est une coïncidence, c'est l'amour de Dieu. Et cela nous donne cette consolation que la promesse et la parole que Christ a donnée est vraie.
Il a dit, comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi. Et cet amour se démontre dans la protection et dans ce qu'il nous donne quotidiennement. Mais aussi un signe d'amour qu'il a fait pour son fils. Il a confié à Jésus-Christ une des plus grandes missions qui peut exister. La libération de son peuple. Le salut de tous ceux qu'il aimait. Et c'était un signe d'amour de confier ça entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas failli à cette mission. Il a accompli valablement. Il a reconnu en cela un signe d'amour de Père de lui donner, avoir la confiance pour faire cela. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, nous pouvons être assurés aussi. Seigneur Jésus, notre Père Céleste, a confié à toi et en moi une mission. Nous ne sommes pas simplement ses enfants pour rester là les bras croisés. Mais il nous a appelés à faire quelque chose. Et là, c'était même écrit en Pierre, il nous a rappelé de cela. En 1 Pierre, 2e chapitre, verset 10, 9. Il a dit, vous êtes un peuple spécial, une race élue. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, afin que vous professez, vous proclamez les bienfaits de celui qui vous a tiré de ténèbres jusqu'à la lumière. Christ nous a confié une tâche dans son amour. Christ a pesi biso mosala na bolingo na ye. De prendre soin l'un de l'autre. Bona ko sunga moko to mususu. Il nous a donné un exemple, mais il a dit faites ça. A pesi biso ndagisa lobi bosala bongo. Et Matthieu 25, si vous faites pour le plus petit, vous faites ça pour moi. Na mokande ya Matthieu alobi soko seli pona moningo seli pona ngai. C'est un signe d'amour de mettre ça entre nos mains de faire ça. Nde bongo na seli ko tiango na maboko na biso ko te bosala yango. De proclamer son nom à longue et à large, à haute voix. De partager ce que nous avons reçu de notre Père Céleste. Et ce que nous avons vécu et de ne pas rester bouche fermée, mais de parler aux autres. Ça fait partie de la mission que toi et moi avons reçue. Et en plus, il nous a confié la tâche de prendre soin et de paître le troupeau. Ah, vous pouvez dire, attends, non, ça c'est la tâche, le travail de l'apôtre patriarche. Comme Christ a dit ça à Pierre, tu m'aimes, alors paie mes brebis. Mais chers frères et sœurs, l'apôtre patriarche ne peut pas le faire seul. Et nous prenons cette tâche et nous prenons partie de cette tâche. Il nous a tous donné un troupeau. Pas seulement l'apôtre patriarche, l'apôtre a reçu un troupeau. Bien sûr, les frères de ministère. Le responsable de district, le responsable de communauté, chacun a un troupeau. Mais il nous a confié chacun un troupeau. Vous êtes père de famille, mère de famille. Vous avez un groupe d'amis. Un groupe de collègues là où vous êtes. C'est votre troupeau. Nous pouvons essayer de nous occuper à paître et partager la tâche de prêter, apprêter l'épouse de Christ. Et parfois, le troupeau a un seul brebis. C'est notre propre âme. Et nous pouvons et nous devons prendre soin de cela et donner à manger. Nous approcher à l'autel de grâce. De plonger notre seau là où nous pouvons boire. L'eau de la vie gratuitement. C'est ça notre tâche.
confiance que Dieu nous a donnée, nous prenons ça à cœur. Nous ne pouvons pas rester le bras croisé. Nous voulons nous mettre en valoir, faire valoir l'amour que Dieu nous a donné. En plus, l'amour de Christ, l'amour de Dieu, ne nous laisse pas maintenant main vide pour accomplir ces tâches. Un peu comme article 15, débrouillez-vous, faites ce que vous devrez, mais faites cela. Son amour nous donne chacun tout ce dont nous avons besoin afin de faire ce qu'il demande et il attend de nous. Il a muni notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a parlé lors de son baptême. Et Matthieu 3, verset 16, la colombe est venue. L'Esprit, ça signifie l'Esprit Saint est venu. Muni de cela, il pouvait accomplir ce qu'il était devant lui. Ses frères et sœurs, il nous a donné son esprit. Pas seulement appelé, il a donné à toi et à moi tout ce dont les dons et les talents, les fruits de l'esprit, afin que nous puissions les faire valoir lors de ton baptême de l'eau, ton baptême de Saint-Esprit. C'est un signe d'amour. En plus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous donne? Lorsque les disciples étaient étonnés à ce que Jésus-Christ a fait, il a dit, vous n'avez rien vu. Si vous voyez vers Jean 5e chapitre, verset 20, il a dit, vous étonnez. Attendez, Dieu a partagé ses plans avec moi. Vous n'avez rien vu. Attends, vous connaissez celui qui peut ressusciter les morts. Il a dit, vous allez voir des grandes choses. Parce que Dieu m'a aimé, il a partagé mes plans. Et Christ a partagé ses plans avec nous. Christ a kaboli mwango ana na biso. Plus loin, il a dit, au fait, vous n'êtes pas des serviteurs. Je ne suis pas le maître en tant que tel. Parce qu'un maître ne partage pas les plans avec le serviteur. Vous êtes mes amis. Comme le choral a chanté. Et avec amour, je partage les plans que nous avons. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous connaissons le plan que Dieu réserve pour les enfants de Dieu. Il ne nous donne pas les détails de chaque étape de notre vie. Mais le signe d'amour, nous savons là où nous allons. Ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, et là où nous allons nous diriger et comment marcher. Parce qu'à cause de cet amour, il fait aussi un partage de plans avec toi et avec moi. Il a donné en troisième lieu l'autorité. Il n'a pas dit Jésus va, il a donné toute autorité. Et Jésus pouvait dire, celui qui m'écoute, écoute le Père. Toute l'autorité m'a été donnée. Ça vient de Dieu, c'était un signe d'amour. Chers frères et sœurs, il donne l'autorité aujourd'hui à l'apostolat de baptiser avec de l'eau et de l'esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardonner les péchés. L'autorité de la parole. Parce que Christ a continué pour dire, celui qui vous écoute, m'écoute. C'est bien de vouloir donner une tâche, mais il a donné en plus l'autorité pour faire cette tâche. Cela nous donne la joie. Quoi d'autre il nous donne? Il répond à nos prières. Quand nous demandons de la bonne façon, il nous donne la réponse.
Christ pouvait être sûr de cela. Vous vous rappelez lorsqu'il est allé maintenant pour aider son ami Lazare qui est mort. Vers Jean 11, avant qu'ils n'accomplissent même le fait de le ressusciter. Il a dit, cher Père, merci pour ce que tu vas faire. Il était tellement convaincu. Il faisait la bonne chose que Dieu va lui aider. Avant de multiplier les pains. Et je te remercie, cher Père Céleste, pour ce que tu vas faire. Oh, chers frères et sœurs, nous avons cette confiance aussi dans notre vie de prière. Il ne répond pas exactement à tout ce que nous demandons. Nous soumettons ça à notre Père Céleste. Christ, dans le jardin, il a demandé, cher Père, si possible, épargne-moi. De cette souffrance qui est devant moi. La réponse était non. Dieu a permis que peut-être sa prière n'a pas été exaucée. Mais il a donné la force et le courage par le canal d'un ange afin qu'il traverse ces situations. Et chers frères et sœurs, ça c'est notre assurance. Nos prières sont exaucées. Et nous mettons toujours ta volonté soit faite comme Jésus l'a fait. Plus que nous sommes obéissants, plus que notre volonté joint la volonté de notre Père Céleste, plus que nous sommes assurés que notre prière va être répondue, exaucée. Lors de la tribulation, nous avons des problèmes, nous avons les difficultés, certes, dans les problèmes. Dans la vie que nous faisons et dans la mission que nous accomplissons. Mais Christ avait ses tribulations. Il n'a même pas épargné Christ de cela. Nous ne sommes pas épargnés. On peut demander, chers frères, chers sœurs, pourquoi cela arrive. Chers serviteurs, chers enfants, pourquoi nous sommes ici dans cette situation? Avec Covid ou autre chose? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais nous avons l'assurance, Dieu est avec nous. Nous accompagne. Son but à la longue, c'est notre salut. De conduire son église et son enfant, celui qu'il aime, vers la fin, communion éternelle. Et il te donnera, il me donnera la force afin de traverser ce moment. C'est un signe d'amour qui a donné à son propre fils, notre Seigneur Jésus. Et Christ a dit, comme mon Père m'a aimé, je vous aime aussi. Cette même aide va être donnée à toi et à moi. On peut continuer. Quels sont les moyens? Quelle est la boîte d'outils d'aide que Dieu nous donne, qui nous démontre et nous prouve de comment faire la tâche qu'il attend de nous? Il nous donne des amis. Des amis. Comme il a donné à Christ ceux qui l'entouraient. Il a donné des disciples et ceux qui l'aimaient. Et qui pourvoyaient à ses besoins. Parfois il s'est fâché contre l'un ou l'autre, il n'était pas parfait. Il a même réprimandé, il a corrigé de temps à autre. Mais ils étaient là avec Christ jusqu'à la fin. Et les disciples ont poursuivi et continué l'œuvre.
Même après qu'il est parti, l'apostolat a continué. Dieu te donne, me donne aussi ceux qui sont autour de nous. Notre frère, notre sœur dans la communauté. Peut-être ceux qui conduisent aussi l'œuvre de Dieu. Bon, certes, ils ne sont pas parfaits. Parfois, ça nous énerve. C'est normal. Mais dans l'unité, nous cherchons l'unité l'un avec l'autre. Et cela nous permet de continuer à faire la mission que Dieu nous donne. Il ne te laisse pas seul. Personne ne peut être oublié ou laissé. Regarde autour de nous. Peut-être vous pouvez dire, mais qui est-ce que j'ai personne. Regardez, Dieu te donnera, Dieu me donne quelqu'un qui nous accompagne. Et comme Christ nous a aimés de cette façon, nous voulons nous occuper et nous préoccuper de la mission qu'il a confiée pour nous. Donc voilà, chers frères et sœurs, notre Père Céleste nous conduit, nous montre les signes d'amour constamment par ceux qui nous protègent et pourvoient pour nous. Il nous donne une mission. Et nous donne ce dont nous avons besoin à faire cette mission. Tout cela est un signe d'amour de notre Père Céleste. Amen. Amen. Nous voulons faire une petite pause et la chorale peut chanter une cantique. Bien-aimés, nous pouvons nous réjouir que Dieu nous aime tant. Et même Jean, il a dit, voici quel amour que Dieu a fait de nous, ses enfants. Nous vivons ça, nous voyons ça. En dépit des moments où nous avons des difficultés, des peines, des problèmes. Donc, Christ a demandé 3 reprises à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Christ a senga kipe atuna ki na petelo olinga kanga. Pierre a répondu, oui, je t'aime, mais rapidement
Christ lui a confié cette tâche, cette commission. Voilà, il faut faire quelque chose avec ça. Pierre a accepté. Et c'était un moment spécial. Mais rien n'empêche que Pierre, à cet moment, on peut le lire en Jean 21. Il regardait autour de lui, il voyait un autre apôtre, je pense que c'était Jean. Il a dit, qu'en est-il de lui? Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Et Jésus, quelle réponse il a donné? Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton affaire, fais ce que tu dois faire. Chers frères et sœurs, nous avons cette pensée aussi. Lors de notre tâche, surtout lors des problèmes. Nous regardons notre frère, notre sœur, ceux qui disent, mais Dieu, et eux, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai tous les problèmes? Mais regarde, eux, ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi je dois travailler? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ça ne te regarde pas, ça ne me regarde pas, ça ne peut que nous ralentir dans ce que nous devrions faire. Nous voulons nous focaliser, rester sur notre propre tâche. Et ce que le Seigneur demande et attend de toi et moi, pas de ce que font les autres. En deuxième lieu, tout ce que nous faisons, nous voulons le faire en amour. C'est ce que l'apôtre Paul il a dit en Colossiens, toi. Tout ce que vous faites, faites ça en amour. Oh, parfois on peut s'attendre à ce que peut-être nous avons une récompense. C'est ça le monde et c'est ça que parfois nous pensons. Ah, j'accepte un travail, le pays n'est pas bien, mais je peux profiter autrement. Chers frères et sœurs, pas dans l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas chercher un profit et un gain. Dieu est fidèle, ne vous en faites pas. La récompense va, mais selon lui, ça va te donner. Mais nous ne cherchons pas nous-mêmes un gain. Tout ce que nous faisons en amour. Et puis, on peut dire en conclusion, tout ce que nous faisons, c'est en imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, à l'époque, l'apôtre Paul a donné le conseil. En Romains 12, vers le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Et parfois même pour l'œuvre de Dieu, les ennemis de l'œuvre de Dieu selon nous. Pour défendre l'œuvre de Dieu, on veut faire du mal. Mais Christ n'a jamais fait ça. Rappelez-vous lorsque maintenant les gens sont venus arrêter Christ. Pierre voulait prendre l'épée, utiliser la violence, prenez l'épée. Il a essayé d'agir, Christ est intervenu. Il a même pris le temps pour réparer les dégâts que Pierre a fait. Et Christ a dit non, ne fais pas violence, fais l'amour. Chers frères et sœurs, en ces moments, nous ne pouvons pas faire la violence. Que ce soit justifié, que nous pensons que nous avons raison pour défendre l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas utiliser les menaces. Nous utilisons les techniques de Christ. Nous mettons l'amour. Et c'est de cette façon que Dieu va aider à ce que nous sortons vainqueurs. Que nous puissions garder ça dans notre cœur.
Nous ne pouvons pas supporter la violence. Nous suivons la voie de Christ, l'amour. Et c'est pour cela que nous prions pour la paix. Nous voulons préparer notre cœur avec un cantique de repentance. Amen. Amen. Présent, nous invitons la communauté à se lever et ensemble nous voulons prononcer la prière que le Seigneur nous a apprise. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Merci, cher Père Céleste, qu'à nouveau, tu nous as rendus propres. À nouveau, nous avons aussi cette paix qui tapisse notre cœur et nos pensées et qui nous rappelle du fait, comme ton fils a dit une fois, où se trouvent tes accusateurs. Cette paix nous permet aussi de continuer à essayer de suivre le chemin de ton fils. De ne plus pécher, de suivre en confiance et d'essayer de montrer un bon exemple comme lui l'a fait. Merci pour le sacrifice d'amour, pour ta grâce et pour ta parole que tu nous donnes à tout moment. Merci pour tes serviteurs, tes servantes que tu nous donnes. Ceux avec qui nous sommes privilégiés de travailler. Merci pour ce que tu fais pour eux et à travers eux. Merci pour nos enfants. Merci pour nos parents qui se trouve ici-bas ou dans l'au-delà. Cher Père Céleste, tu nous combles de tes richesses. Protège ton peuple. Que tu puisses aussi pourvoir à leurs besoins. Nos enfants, ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté. Car nous unis dans l'apostolat avec notre apôtre patriarche
Que nous puissions nous réjouir d'être tes enfants, tes serviteurs, tes servantes. Nous voulons intercéder pour le pays. Que tu puisses donner toujours ta paix. Que ton esprit nous guide et guide tout un chacun dans chaque décision. Et que ton esprit nous conduit dans la paix. Et que nous puissions aussi continuer à développer et progresser. Ce n'est que possible par ta grâce. Nous te demandons ça au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, j'aimerais bien partager ensemble la Sainte-Cène. Nous continuons à suivre les consignes. Mais nous ne pouvons pas arrêter à demander à notre Père Céleste à nouveau d'ouvrir cette table. Et je pense que nous joignons nos prières. Dieu donnerait toujours au bon moment ce dont nous avons besoin. Nous allons clôturer ce service divin avec une prière. Cher Père Céleste, merci pour la parole que tu nous donnes et le pardon. Merci pour tous tes bienfaits que nous vivons, nous voyons. Nous apportons nos offrandes dans la mesure de possible. Mais nombreux sont les sacrifices d'amour, les œuvres d'amour. Que ta bénédiction peut rester là-dessus. Que nous vivons ça, cher Père Céleste. Nous ne t'exigeons pas de quelle façon. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Et garde-nous unis l'un à l'autre. Que tes anges nous accompagnent en toutes choses. Et cher Père Céleste, ton fils vient vite nous prendre. Oh, cher Père Céleste, c'est un ardent désir dans notre cœur. Nous te demandons ça au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci bien-aimés en Christ. Que Dieu vous garde, vous bénisse richement. Vous accompagne et aussi exauce vos souhaits et vos prières. La plus grande prière, que son fils vient vite nous prendre. La chorale peut chanter une cantique.